un tiers fois 4 cinquième égale 1 fois 4 égale 3 fois 5. Attends, je finis vite ça. Oh, Papichou, je te dis que c'est urgent. Tu finis quoi là? C'est bon. Ok, bon, moi, ça c'est le reçu. Je fais des travaux sur la voiture. Les rotules étaient foutues. L'amortisseur au sol. Le tuyau d'échappement, je n'en parle même pas. Donc moi-même, j'ai préfinancé. J'ai mis mes 100 000 francs dans la voiture pour que la voiture soit en circulation. Là, vous devez même me féliciter, hein, parce que là, à l'heure actuelle, la voiture serait HS. Donc, je suis venu là pour que tu me rembourses les 100 000 francs que j'ai dépensés. Ça, c'est le reçu. C'est comment? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça, c'est quel reçu? Ça, c'est quel reçu comment? C'est quelle question, ça? C'est pas écrit reçu dessus. Tu vois pas le nom du garage? Oh. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans le reçu, là. Qu'est-ce qui t'intrigue, Papichou? Qu'est-ce qui t'intrigue dans le reçu, là? Il y a quoi? Regarde, le prix, c'est 100 000, non? Oui. Pourquoi le point est après 10? Tu racontes quoi, là? Tu racontes quoi, là, Papichou? Normalement, 100 000. Le point après 100, non? Les points après 10, après 100, c'est quoi? Tiens, regarde toi-même. Mmh. Oh, mais ça, c'est pour ça là maintenant. Est-ce que ça, c'est un problème? Ça, c'est une erreur. L'erreur est humaine. Le mécanicien lui-même, il s'est rendu compte de ça. Le plus important, c'est que les 5 zéros de 100 000 soient là. C'est, ça fait 100 000. Donne-moi juste l'argent, je vais partir. Ok. Admettons que c'est une erreur, hein, non? Oui. Pourquoi le dernier zéro n'est pas conforme aux autres zéros? Papichou. C'est quoi l'affaire du gros français que tu veux me sortir maintenant comme c'est pour rembourser l'argent là? Hein? Tu me sors de bas conforme, n'est pas conforme, c'est quoi? Où est le problème? Je te dis rembourse-moi 100 000. Qu'est-ce que zéro n'est pas conforme aux autres? Viens chercher là. Pourquoi hein? Le dernier zéro est plus gros que les autres zéros? Ah, Papichou, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça là? Pourquoi quand c'est pour rembourser, ça devient difficile? Donc j'ai mal fait de prendre mes 100 000 et de faire réparer la voiture, c'est ça non? Je devais laisser la voiture là au sol, c'est ça? Oh, Papichou, donne-moi les 100 000, je vais partir travailler là. Moi, je ne donne pas l'argent pour les reçus comme ça. Que, tu ne donnes pas l'argent pour les reçus comme ça? Ça, c'est quel reçu? Ah, c'est les reçus falsifiés. Ah bon, c'est un reçu falsifié. Ça, là, c'est un reçu falsifié. Tu es sûr? Papichou, est-ce que tu mesures un peu la portée de tes accusations là? C'est grave, hein, ce que tu dis là. Moi, donc, tu penses que moi, je suis un bandit, c'est ça? Je suis un menteur, c'est ça, non? Papichou, donc tu n'as même pas confiance en moi. C'est pas une question de confiance que je viens de lui donner. C'est quoi alors? La confiance n'exclut pas le contrôle. Ah bon? C'est comme ça que tu me parles? Tu me manques de respect, Papichou. Papichou, tu me manques de respect. Je vais déjà te dire, hein, toi là, tu ne vaux rien devant moi, tu comprends? Non? Je peux décider, je te frappe tout de suite, là, on va m'amener nulle part. Je te casse bien la gueule, tu comprends? Non? Je t'envoie même à l'hôpital hospitalisé, on va m'amener nulle part. Tu sais pourquoi? Parce que moi, en tant que neveu de Tantine, selon la tradition, je suis plus important que toi. Tu comprends, non? Selon la tradition, moi là. Bon, mettons la tradition à côté. Va travailler, emmène-moi ma recette. C'est ta recette? C'est ma recette. Merci beaucoup, je te remercie. Hein. Je remercie entre les mains de Dieu. Comme j'ai dépensé l'argent, c'est comme ça que tu me parles maintenant. C'est pas grave, je remercie entre les mains de Dieu. Garde la facture, garde le reçu et l'argent même. Je veux convoquer une réunion de famille. C'est là où toi, tu vas bien me connaître. Tu vas savoir qui est tonton Lionel dans la famille. Parce que là, toi, tu me prends pour un étranger. On va voir ça. Papi, je te dis que la malchance qui va te poursuivre, si tu ne me demandes pas pardon, tu vas voir. C'est moi qui te parle. Garde ça. Tonton Lionel pense vraiment que moi, je suis un enfant. Je vais aller vérifier ça moi-même.